synchro du son, l'image, tout va bien. La régie, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de lumière, s'il vous plaît, là-haut? Didier, baisse la lumière, s'il te plaît. Didier, arrête de jouer avec ça, je t'ai déjà dit que ça coûtait un bras, ce machin. Doucement sur le bouton, Didier. C'est pas mal. Eh bien, bonsoir, mes très chers abonnés, comment allez-vous? Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un jeu d'exception que j'ai découvert tout juste hier. Alors, peut-être que vous le connaissez déjà. Et si c'est le cas, je vous invite à venir vous remémorer les bons souvenirs sur cet excellent jeu. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais vous le présenter aujourd'hui même. Bienvenue, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, sur Right Click to Necromance. Ouh, ça y est, ça commence déjà. Alors, c'est un truc de fou, j'ai découvert... Attends, pas eu, je vais me faire défoncer. Voilà, on va prendre les petites armées au début. Je vais vous expliquer un petit peu le but du jeu. Je l'ai découvert tout juste hier. Et franchement, c'est un truc de fou comment qu'il est addictif. Alors t'as pas besoin de te prendre la tête pour jouer au jeu, hein. Les boutons, c'est clic gauche et clic droit. Rien de plus, rien de moins. Voilà, on défonce les petites armées et on fait clic droit pour récupérer les petits soldats. Vous voyez? En fait, c'est un petit peu le principe d'un poignot, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que je fais là. Je sais pas dans quoi je me suis lancé. Ah bah ça va, il y en a deux autres qui se sont cassés là-bas. Mais du coup, vous voyez? Ah si. Ah nickel. Impeccable. J'allais dire, je vais pas récupérer mon armée. En fait, il faut attaquer des petits groupes. Par contre, faut pas que les autres s'en mêlent. Voilà. À chaque fois que t'attaques un petit groupe, tu récupères toujours les petits soldats que t'as niqué en fait. Par exemple, on va éviter de s'attaquer sur la droite là. Ah, ils étaient bien trop nombreux. Et bien déjà, dès à présent, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ou pas déjà ce jeu. Personnellement, moi, je connaissais pas. Je l'ai découvert tout juste hier. Et je colle dessus, c'est un truc de fou. Ah, moi, c'est toujours des petits jeux à la con comme ça qui me font coller, de toute façon. Les genres de poignots, les trucs comme ça. De toute façon, ce jeu-là, on peut le catégoriser dans les poignots, hein. Voilà, tu démarres en bas de l'échelle. Et plus ça va, plus tu grossis. Oh putain, je vais me faire niquer. Oh, je me casse. Notre petite armée commence à bien grandir, comme vous pouvez le voir. Je vais me faire shooter. Non, c'est bon, tranquille. Est-ce que je peux me faire cette armée? Je pense que... Aïe. Dans quoi je me suis embarqué? Bien sûr, les Galifi, je compte sur vous, hein, pour le petit like sous la vidéo. On me fait péter tout ça. Oh, je me fais... Oh, attendez, si je nique le dernier... Oui, vas-y. Allez, on se rebelle, les mecs. On se rebelle. On rush. Vraiment, je compte sur vous pour faire péter le petit like sous la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis tant qu'à faire, le petit commentaire qui va avec, hein, pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir d'autres petits jeux dans ce style, si vous en avez d'autres à me proposer également, eh bien moi je serais très content de les découvrir. Parce qu'en ce moment, vous avez vu que je vous propose pas mal de petits jeux comme ça et tout, et bah c'est que je les découvre. Peut-être en même temps que vous, peut-être que j'arrive 10 ans après la guerre. Bon, c'est même certain en fait. Mais en même temps, j'ai envie de dire, eh bien tout le monde ne connaît pas ce genre de petits jeux. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir vous les présenter. Ouah, dans quel terrain je m'embarque? 600 mètres derrière, on est foutu. 600 mètres derrière, je suis mort. Allez, vas-y, niquez-moi ça, les mecs. Niquez-moi ça. Allez, je suis mort. Je suis mort. Ouh, cette chance. On va se refaire. Vous voyez qu'on peut très vite perdre son armée, hein. Franchement, la situation peut virer d'un moment à l'autre. Par contre, je m'y attaque pas, tu vois. Nous, on va aller s'attaquer à des petits comme ça là-bas. Les petits. Bien. Et bien sûr, toujours, je le rappelle, mais oubliez pas que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A. Putain, je me fais niquer là-bas, hein. Il m'attaque, hein. Toujours, bien sûr, avec le petit code Jolotte, vous avez des réductions. Est-ce que je fais bien? Ouais. Ouais, je fais pas trop mal, hein. Allez, on va commencer à attaquer du lourd un petit peu, là. On va attaquer du lourd. Si on a des petits squelettes dans notre équipe, franchement, ça... What? Ah bah non, mais je vais... Ah bah tu es mort, ça y est, on est mort. Ah bah, et puis là, je peux plus faire demi-tour, mon gars. Ah si? Allez, on se replie, les mecs. On se replie, on est foutu. C'est bon, c'est mort. Ouais, mon armée, elle a quand même bien rétréci, hein. Je me suis bien fait niquer. Le truc, c'est que dans ce style de jeu, t'as tout le temps envie de te précipiter. Alors pourquoi right click to necromance? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut faire un clic droit sur la nécromance. Mais qu'est-ce que la nécromance, allez-vous me demander, Jamie? Eh bien, c'est un rituel à l'origine grecque, une espèce de pouvoir divinatoire qui permet de ramener les morts à la vie. Eh oui, Jamie. Mais d'ailleurs, savez-vous qu'est-ce qu'un nécrophile? Oh, attendez, on s'égare là. Ah, je vais me faire niquer. Oh, je vais tellement... Bon bah voilà, je me suis fait niquer. Allez, il y a moyen. Ah non, il n'y a pas moyen. Attends. Si, ici il y a moyen. Là, à droite, il y a moyen. Voilà, là on commence à se faire des petits soldats, vous voyez? Ça fait plaisir. Allez, on charge, on n'a pas le choix. Oh putain, mais non, par contre lâchez-moi les mecs. Oh les bâtards, s'ils s'y mettent, on est rincés. Oh putain, non, mais si tout le monde s'y met les mecs, mais comment vous voulez que je m'en sorte? Voilà, et là on commence à avoir des bons gars dans notre armée. Allez, dès qu'on a un petit squelette et tout, c'est parfait là. Par contre, non, dégagez les mecs là-bas. Mais c'est quoi ce bordel? Mais je suis en difficulté maximum ou quoi? Bah c'est mort, je suis rincé. La régie, on passe en vitesse rapide s'il vous plaît. Let's go.
Ça y est, on recommence à remonter dans le game là. De toute façon, l'objectif ultime du jeu, c'est d'avoir le golem là-bas. Bon, pour l'instant, j'irai pas spécialement m'y frotter, vous voyez. Allez, j'attaque cela, j'attaque cela. Allez, allez. Allez, on rush les mecs, on rush, on charge. Putain, ils attaquent derrière, ils attaquent. Oh les enfoirés. Allez, on rattaque, on rattaque. Voilà. L'Empire contre-attaque, mon pote. Ça passe à votre avis là? Ça passe, tranquille. Voilà. Oh putain. Oh, oh tu. Oh. J'ai crevé, j'ai poudonné de la tête. Allez. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Allez, on attaque ici. On rush le petit groupe là. Voilà, yes. Là, on commence à être bien. Là, on commence à faire peur. Putain, s'ils s'attaquent derrière. Oh. Vas-y, lâchez-moi les mecs derrière. Lâchez-moi. Allez, vas-y. Vous voulez m'attaquer les mecs? Voilà. Là, ça commence à être satisfaisant, vous voyez? Il y a comme une sensation de satisfaction lorsque tu grandis ton armée comme ça. C'est super plaisant, je trouve. Et c'est un petit peu ça le côté addictif de la chose. Hop, 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 hop. Voilà, ça charge ici. Ah bah là, mon gars, on commence à écraser tout le monde. Bon, j'irai peut-être pas écraser un titan encore pour le moment. Mais à mon avis, ça va venir. Oh putain, ils sont chauds. Ils sont chauds, mais... Ouais, ils sont trop chauds. Wow, what the fuck, je me fais attaquer, mon gars. Attends. Vas-y, je les prends. Allez, on les prend. On les prend, mon gars. Oh putain, si ça attaque derrière, on est mort. Allez, c'est bon, on n'est pas mort. Le truc, c'est qu'il faut pas qu'il y ait 2-3 groupes en même temps qui nous attaquent, tu vois. Sinon, ça commence à sentir le roussi. Oui. Ça, c'est joli, ça, c'est joli. Oh, je suis en train de perdre des troupes, là. Je suis en train de perdre des troupes parce que eux, franchement, ils sont chambés, là. Les gros casses de chevaliers, là. Oh putain, il y a des mini titans aussi, là. Eux, ils sont très chambés également. Allez, on rush, les mecs, on rush. Ça rush. Oh putain, mon vieux. Oh, il y en a d'autres qui s'y mettent derrière. Ça y est, ça commence à venir tous les côtés. On va y passer. Ah, il y a moyen qu'on s'en sorte, hein. Pour l'instant, on est en nombre supérieur. Donc, si ça continue comme ça, il y a carrément moyen. Ah ouais, regardez l'armée que je viens de me faire, toi. Laisse tomber. J'ai niqué tout le monde. Alors, les mecs, qu'est-ce qui se passe? Alors, on recule? Hop, 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 hop. Alors, attendez, qui est-ce qu'on va attaquer? Bah, pff, on va attaquer les deux, hein, de toute façon. On se fait un gros fight, là. Un big fight, les mecs, là. Oh, par contre, il y a un autre groupe qui a attaqué à côté. Mais à mon avis, je suis confiant. Je suis confiant. Avec l'armée qu'on a, je suis très confiant. Voilà, ça c'est beau, on en a décimé une, on en a décimé deux, on en a décimé trois, quatre. Ok, nickel. Vous voyez, à chaque groupe, en fait, qu'on décime, eh bien tout simplement, on fait un clic droit et hop, on remonte nos troupes. Tous ceux qu'on bute, en fait, ils viennent dans notre armée, tout simplement. Regardez cette armée de dingue qu'on commence à avoir, c'est un truc de fou. On va bientôt attaquer le titan, à mon avis. Ça va pas tarder. Putain, laisse tomber, mon vieux. Attendez, je vais rassembler un peu les troupes. Alors, qui veut attaquer, les mecs? Voilà, on rassemble les troupes. Vous? Pas de soucis, j'arrive tout de suite. Derrière, pas de soucis, j'arrive aussi. Voilà, hop, ça c'est fait. Derrière, on va sneaker ça, tranquille. Oh là là, mais c'est tellement kiffant, franchement, d'écraser une armée entière comme ça. Ce jeu, je le trouve super bien. Le principe, il est tout con, tu vois. Il n'y a pas besoin de réfléchir 10 ans pour jouer. Mais franchement, c'est super efficace. Moi, j'aime bien ces petits jeux-là. Et ben, dites-moi vous aussi dans les commentaires si vous kiffez ces petits jeux comme ça. Ah, par contre, il y en a un qui a dû s'échapper là-bas. Parce que j'ai pas eu l'armée. À mon avis, on va le retrouver après. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est... Oh putain. Oh, ah ben, on va pas avoir le choix, mon vieux. On n'a pas le choix. On attaque. Allez. Bah là, si on a le golem dans notre équipe, mon vieux, c'est fini. Hein. On est fini. Hop, bah c'est bon, on a le golem, impeccable. Oh, mais regardez cette armée de dingue que j'ai, mon gars. Regardez cette armée de dingue, mon gars. Mais c'est un truc de fou, quoi. Voilà, ça y est, on est invincible, les mecs. C'est bon, c'est fini. Voilà, voilà, on va aller gober l'autre golem aussi, qui est juste en bas. Tant qu'à faire, hein. Lui, on va tout manger. Même le gros titan, là, il peut rien faire. C'est... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre machin? Voilà, allez, j'en ai deux dans mon équipe. Bon, en même temps, pour être honnête avec vous, j'ai jamais été aussi loin. Je me suis tout le temps fait niquer avant. Deux titans dans la team, c'est une grande première pour moi. Oh là là, mais regardez ça, comment que je les pousse. Mais il y a plus personne qui me fait peur. Eh, hey, quand même, hein. Je me fais niquer quelques gars tout de même, hein. Pff, même, regarde, même les grosses armées, maintenant, ça me fait plus peur. Je fonce dans le tas, mon gars. Voilà, voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. Allez, on entoure tout ça. Voilà, on les entoure. On tabasse, on tabasse, on tabasse. Voilà, et... Et crac, il n'y a plus personne, on récupère tout. Même les gros titans nous fuient. Regarde ça, regarde ça, comment qu'ils fuient. Bah ouais, tu m'étonnes, mon gars. Il n'y a plus personne qui veut se bastonner. Allez, les mecs. Ah si, ils veulent se bastonner en bas. Vas-y, pas de soucis. Allez,
J'arrive. On prend tout le monde en même temps. Voilà, on cherche pas. Hop, le petit là-bas, on l'a oublié lui. Bon, écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ce right click, tous les commandeurs. En réalité, c'est une histoire sans fin. Je pourrais encore jouer des heures comme ça. Et qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive, toi? Avec trois golems dans l'équipe, il y a les mini golems, toutes les têtes de mort qui me suivent. On est devenu la team des increvables, mon gars. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et que je vous aurai fait découvrir un nouveau jeu. Ou pas, peut-être que vous le connaissez déjà. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre aussi sur les réseaux. Tout est dans la description. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye. La régie, lumière. Merci Didier.